Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pendant l'épisode sur Elden Ring. Épisode précédent, c'est simple, hein. on a exploré tout le plateau supérieur ici, hein. Donc le village des zones nécromantes, où d'ailleurs on a trouvé la fiole sacrée miraculeuse. En fait on peut mélanger plusieurs effets différents. D'ailleurs j'ai pas regardé les nouveaux effets, ça me fait penser, oui, j'ai pas regardé les nouveaux effets que j'avais eu. Donc tempérament, récupération d'endurance, oui, j'avais rien d'autre. Non, j'avais trop rien d'autre en fait. D'accord, bon écoutez. On s'en fout. D'accord. Voilà, donc oui, on est arrivé du coup dans cette zone parce qu'on avait tout exploré. On avait réussi à affronter là, le PNJ qui nous avait envahi à l'église incandescente ici. On a fait l'arbre au monde aussi, tant qu'à faire, hein. C'est à côté. Du coup, on l'a fait, ça fait plaisir. Il y avait un ennemi, vieille herde au d'accord. Il y a une vieille herde aussi ici. Pareil, j'aimerais bien explorer cette zone, elle a l'air ouf aussi. Faudra le faire plus tard, je pense. En tout cas, là on est descendu dans le puits de Siofra quand on a exploré les bois brumeux, mais j'ai envie de remonter parce qu'en fait, on a découvert un PNJ. Le PNJ c'est... je sais même plus comment il s'appelle, je crois que c'est Higgins. Donc on va retourner à son fort, et apparemment on aura peut-être une mission. Il aura peut-être une mission à nous confier, donc on va voir. On va remonter jusqu'au fort, du coup essayer d'aller lui parler, je sais pas où il est par contre. À mon avis les ennemis ont popé, hein, ça serait trop beau. Ou alors, il n'y a plus d'ennemis. C'était blindé d'ennemis, il n'y a plus rien en fait. D'accord, il a repris possession de son truc, vraiment, lui. Intéressant. Ah non, ok, ouais, d'accord. J'allais dire, ouais. Attends, c'est occupé par des hommes bait. Ferme. On va essayer de leur trouver un. Où est-ce qu'il s'est planqué ce con? C'est pas lui. Oh, il a dû se foutre quelque part dans son château là. Du coup, vu que je les ai défoncés, en fait, ils ont pris possession du château, c'est con. Ça me tue. Alors, c'est pas du tout le bon château, je me gourre. Ah non, il est là, voilà. Salut mon poulet. Ah, I suppose you must have seen it by now, or indeed it is a one must be found. But a true and stalwart lord of the... Je l'ai déjà chassé en fait. Sorry to have... But I haven't the authority to the great Kenneth Height. But now, I must begin my... For a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Lim... Hmm. Ah, ça me bosse, c'est toi qui les prends, hein. For a true and stalwart lord of the proper lineage to take the ring. Attendez, parce que là, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, du coup, que je retourne à Valorage? Eh, il y a un PNJ, là, hein. Au stock gardien des portes. Mais je vais retourner à Godric. Peut-être qu'il va arriver ici, le con, vu que j'ai chassé Godric. Juste pour voir, hein. Non, il y a juste lui qui est encore en train d'écraser la tête de de Godric. Ok, la salle du trône là aussi. Je sais toujours pas à quoi elle sert. Très bien. Bon. Table ronde. Vite fait, hein, ça fait du bien d'y retourner de temps en temps pour faire avancer les quêtes. Je vais essayer de reparler un peu à tout le monde. Allez. Ah oui, avant de descendre aussi, avant de continuer la partie en dessous, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Rogier, il est vraiment pas bien, hein. Faut vraiment que je termine sa quête à lui. Putain, c'est ouf. T'as l'air de parler à Et Ferry, en dessous. Très bien. Bon bah apparemment, tout le monde s'en bat les couilles. Quoi, t'as rien d'autre à me dire? Non. Non. Attendez, je peux lui demander un truc?
from across the hound. You should keep your distance. I know you're strong. Ouais, très bien. Ouais, c'est là où l'autre il est mort. D est mort. Bah écoutez, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Chaque fois j'essaie d'y repasser pour voir, mais chaque fois je suis déçu. Faire tourner ici, je pense. Toi, t'as rien à me dire? Ouais, faut que j'aille au plateau d'Altus 2. À propos des médaillons, oui. She hides in a cave to the west of the Lascia ruins, which jut from the mist. She knows ouais. The location. Entrez le breuvage à Sylvius. I suppose. I won't interfere. The round table has no cut. I ask you this. Are you really? Ah oui, c'est le truc de qui me permet de tuer Sneferi, oui. Would you rather hand that potion? Donner le breuvage, ouais. I'll dispose. You go and see Celavis, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion. And despite knowing next to blood nothing, he's an inevitable display of arrogance. Très bien, merci. D'accord, j'ai bien fait lui parler. Vous voyez? Ah, y a vraiment les trucs avec les persos, mais les quêtes, c'est tellement subjectif que... Très compliqué à faire, quoi. Hein. J'ai vite fait retourner parler à lui, mais... Ouais. Je te laisse tranquille et je voulais faire quoi déjà? Putain, j'avais dit que je voulais faire un truc mais j'ai zappé. Alors du coup, est-ce que j'entends parler à Severus ou alors est-ce que je continue mon exploration dans le puits de Sophria? On va reparler à Severus. Ça prendra pas longtemps. Hein. Je vais juste lui dire que j'ai fait ça et puis voilà quoi. C'est vrai que là, c'est l'air d'être une ordure lui. Hein. Ah putain, mais c'est vrai que putain, faut que je descende à chaque fois, c'est chiant. On perd du temps. On entendra que j'ai toujours pas trouvé Guts aussi, ça m'énerve. Le dragon, pareil, il s'est barré, il revient plus. Ouais, c'est le vieux, ça. C'est le vice, ça. You were a touch very well. Knowledge of the sorcerous arts, and I doubt much of it will. If you put your mind to it, perhaps. You wish to begin? Well, you. Étudier la sorcellerie, donner le parchemin. Ouais, non, à propos de Nefeli. So you hadn't. It's concocted from the finest ingredients, but I may have expected too much of it. La sorcellerie, d'accord. Donc il peut m'apprendre des sorts, je peux lui donner les parchemins pour les sorts aussi, d'accord. Très bien. Bon bah c'est fait, bah écoutez, on va descendre, hein. Allez, on perd pas plus de temps, on retourne dans les souterrains, on va ici. On tourne du puits, puis on va commencer cette exploration de nouvelles zones. C'est parti. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, en tout cas la zone est immense. Je peux même porter un cheval, c'est pour dire. De l'air bas. D'accord, des runes. Il y a de l'air bas que j'avais jamais trouvé en fait. Oh non, pas encore eux. Ah! Eux, qu'est-ce qu'ils étaient chiants! Ah merde! Ah, ça va être casse-couille! Ah, ça va être un couche!
Ah, ils font mal en plus, hein. Waouh. Ouais, ça va être très chiant. Je déteste ces ennemis, il y en a partout. Je sais même pas qui m'attaque pas en fait, c'est l'horreur. Hein. Voilà. Avec ces ennemis de merde là. Je vais garder ma Mortensen du coup. D'accord, j'ai bien fait de passer sur le côté, visiblement il y avait un chemin quoi. C'est grandiose. Ça continue par là, des ennemis. Putain de merde, y'en a partout. Ok. Bon, à cheval, ça se fait bien en fait. Hein. Ils sont assez lents. Donc ça va. Ok. Ça va, ça se fait. Ok. Pierre de Forge 4, c'est très bien. Rien d'intéressant à ramasser par dans l'eau là peut-être. Ah j'avais pas vu, il y a du savon. Ok. Très bien, ça y a un truc à ramasser. La rune, ok, ouais. Un ascenseur, ok. C'est normal que je puisse pas rentrer avec le cheval dans l'ascenseur, merci. Dur. Peut-être me soigner moi. Toujours utile. Ah, j'ai eu les deux. Ouais, cheval, ça passe bien, ça va. Connard. Puis arc-en-ciel, c'est de la merde. Connard. C'est pas très utile pour se battre à cheval, hein, cette arme-là, par contre. Bon, il y a des ennemis de merde partout, quoi. Ça, c'est horrible. Hey, coucou toi. C'est une blague. Là, voilà, je préfère hein. Saloperie. J'hallucine. Allez. Champignons fondus, ouais. Plein de nouveaux matériaux ici en fait à ramasser. C'est insane. Bourgeon à cornes. Continue à explorer, hein. C'est le bordel à se battre à cheval, je touche pas les ennemis. Dans moins, voilà. Ah, il est touché de loin, lui, merde. Voilà.
Il y a tellement d'ennemis, c'est chiant. Centripète doré, d'accord. On a vu le truc au-dessus, hein. Alors, il disparaît pas, mais je pourrais le choper par au-dessus, en fait. Donc, écoutez, c'est bien, ça me va. Oh, putain. Il va y tomber tout seul, quoi. Et j'ai raté un endroit, en fait, là. J'ai raté un mur invisible, une connerie. On va remonter, hein. Moi, j'ai raté un truc. Ça, on peut monter plus haut, mais... Y'a pas de mur caché, en fait. Très bizarre. Très bizarre. Et si je tire dessus, en fait, est-ce qu'il risque pas de tomber, en fait? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Apparemment, c'est super haut, d'accord, ok, j'ai compris. Ça sera pas tout de suite, hein. Faut vraiment prendre l'ascenseur que j'avais vu là-bas, je pense. Alors, on va aller là-bas. Bugué. Remède. Ok. Évidemment, j'ai déjà fait ce que fait toute cette zone, hein. Ça va vite. Là, je suis bloqué dans un arbre. Allez, dégage, voilà. Oh, un campement ici. Tout ça pour une luciole argentée de merde. Bah, c'est magnifique. Magnifique loot. Bon, j'ai plus qu'à prendre l'ascenseur, du coup, j'ai tué tout le monde. J'ai tout exploré surtout. On va voir où ça nous mène, hein. Déjà, est-ce qu'il y a un truc en dessous? Non, c'est le vide intersidéral, ok. Très bien, j'aurais essayé. Ouais, c'est long, hein. Pas de passage secret entre deux. Non, monsieur. Ok, très bien. Et bah, c'est perfecto. Mais mon petit doigt me dit que je vais le renvoyer parce que je vais sûrement remonter. Vu que je vais descendre pour choper le secret là. Et à mon avis, c'est par là, hein. Alors, est-ce que j'ai bon ou pas? Non, pas du tout, j'ai faux. Boulette immunisante. Ah, c'est peut-être ça, du coup, pour la nécrose. Attendez, je vais regarder. Putréfaction écarlate, voilà, c'est ça. On a notre réponse, les amis. C'est une réponse que je cherchais depuis l'autre épisode, parce que le boss qu'on a affronté au niveau de l'arbre, il nous faisait des dégâts de putréfaction comme ça, donc bah, c'est cette boulette-là pour contrer, en fait. Maintenant, on le sait. Ah, voilà, c'est en dessous qu'il faut aller. Non? Pas du tout. Bah, ma vie, c'est de la merde. Je vais continuer par là, du coup. Et me taper des crabes géants. Comme ici. Allez, dégage. Ah, la saloperie, quoi. Allez, dégage, saloperie, quoi.
Allez. Cette zone est franchement très sympa, hein. Ah, je vais ramasser ici. Rune. Alors, on va se taper la carte de la zone, je pense, là. Si je veux à ce pilier. On a un site de grâce, c'est cool. Et bam. Oh là 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 là, c'est quoi cet endroit, putain. Oh là 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 là. Pff, mon dieu. Tellement magique. Il y a des trucs bizarres là-bas. Allumer la flamme. Je veux bien, mais ça sert à quoi? Il y a un crabe là-bas. Il y a un temple là-bas, romain. Je vais surtout aller là-bas, moi, pour revenir à la... par là-bas. Oh. De... Vous étiez déjà chiant, vous, hein? Elle dégage, voilà. Ça tirait déjà des flèches, ça cassait les couilles. Hein? Intérieur, putain, ça pue le sexe. Écu aquilin inversé. On a pas oublié l'espèce de scarabée que j'avais oublié en haut là, ouais. Enfin en bas plutôt. Je n'oublierai pas. Sûrement un sort à récupérer ou une connerie, je vais pas oublier ça, vous inquiétez pas. Putain, la zone elle est chambée quoi. La Siofra. C'est toi qui avais la putain de map enculé. Ok. Donc là, c'est fond du puits de Siofra. Donc on avance jusqu'ici. Bah, en fait, il faudrait que j'aille tout en haut en fait pour tout descendre. Pour y aller. Ouais, c'est un peu haut quoi. Ah là là, je vous jure. Oh. C'est un boss ça. Domaine de Sacre-Corne. C'est un boss, ouais, je crois. Allez, go, on l'attaque. Bizarre qu'il m'attaque pas, c'est quoi ce bordel? Ah mais 100% c'est un boss, ça saigne et tout, s'il te plaît. Faut pas être con à un moment donné quoi. Je peux pas lui mettre dans le cul. Allez hop, un petit fist. Ah je vous jure. Ah merde. C'était sale. Je suis sûr que là, si je joue en ligne, il y avait un message, essayez langue mes trous, quoi. Ah, cette communauté, hein. Je vous assure. Très crade. Mais lui, info sûre, il va se réveiller. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Hein. Oh oh, petit passage, là. Ah merde, ils vont me tirer dessus à l'arc ces enfoirés. Arc corne, ouais. Oh non, ça c'est criminel ça, putain. Ah fumier, ah non. Les ordures quoi. Putain, il me saoule, il m'a cinglé, hein. Ah, vous êtes pas du tout chiant, vous, hein. Voilà. Ça dégage. Ils sont pas du tout chiants. Par contre, c'est quoi ces espèces de lucioles, là, dégueulasses? J'ai envie de voir ce que c'est. Ah, ok. D'accord, 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 j'approche plus. J'approche plus, j'approche plus. Ah, ça tire sa merde et puis ça se barre, d'accord, ok. Très bien.
Dégage. Ça, ça vous va de popper tout le temps à 2 mètres là, de moi? Ça vous dérange pas? Allez hop. C'est fait. Allume ton truc. Toujours pas à quoi ça sert, mais bon, on va bien finir par le découvrir. Masse de chair, ouais. D'où toi, putain? Il faut que je fasse gaffe aux ennemis invisibles aussi, j'ai pas fini, hein. Oh là là, quel cauchemar. Oh la merde, hein. Ouais, il pop un peu aléatoirement. J'ai peur de me taper des embuscades, du coup, parce que je me souviens de leur arc de merde, là, eux, hein. Et pas, j'ai pas oublié. Par contre, la zone est tellement chambée, quoi. C'est, je le répète, hein, mais tellement belle. J'ai pas exploré là-bas, du coup. On va y aller. Ah bah il est là, Guts. Good to see you. Apologies, mate. I can see bloody Nokron right above me. But I'm absolutely I've tried all the gateways. Perhaps it's time to ask Celebin. And recall that spiteful little rat acting like he... Let's give him a squeeze. I jest. Besides, leave this place to me. If either of us learns anything, we tell the other. Right? Okay. Leave this place to me. If either of us land, if we reach a dead end, I suppose we go back to the Celebus. Rarely gives a straight answer. First, leave this place to me. If either of us learn, and if we reach a Celebus, rarely. C'est bien. C'est bien, Guts. Bah, tu sais, je peux aller au-dessus, sauf que moi, je peux y aller, mon con. Hein. J'ai Torrent avec moi. Il me permet de faire des sauts. Je crois que c'était un ennemi. Non, attends, en fait, il est là, Guts. D'accord. Hein. Tout va bien. Allez hop. Hello. Tu as pas vu venir celle-là, mon pote, hein. Par contre, maintenant, je peux plus redescendre. Et ça, c'est chiant, on va dire. Je peux pas redescendre par là non plus, je pense. Non, si je tombe, c'est le drame et je suis baisé. Ouais. Parce qu'il me semblait. C'est hallucinant quand même, hein. Y'a rien, vraiment. Ah ouais, y'a un objet, ok. Quelle lame pierre, putain, tout ça pour ça, merde. Eh, c'est là où j'étais, oui. Ah, c'est là où j'ai affronté le connard à bouclier, là, sur l'autre bout du pont. D'accord, c'est là qu'on apparaît en fait quand on prend le portail des 4 beffrois. D'accord, c'est juste en face. Tout est lié, les amis, tout est lié. C'est cool. Ah, mais si je tombe là. J'ai pas de moyen de continuer à tomber en fait. Là, c'est la merde. Ah, bah ouais, ça va être la merde de toute façon parce que je suis baisé. Et là, je suis vraiment. Je l'ai vraiment dans le huc là en fait, c'est ça? C'est ça le bail? Ok, on va arrêter le cheval parce que là, ça a l'air d'être vraiment tendu du slibouze. On va faire ça. Hein. Ouais, ok, donc je peux tomber ici et tout va bien. Ok, je préfère ça.
Ils ont pensé à tous ces cons, hein. C'est impressionnant, hein. Ah, du coup, j'atterris ici, je peux aller chercher l'objet qui était là-bas. Du génie. Du génie, je vous dis. Allez, on y va, tout de suite. Flèche hantée. Très bien. Y'a rien d'autre d'intéressant. Bah écoute, on va pouvoir tomber. Oh putain, j'ai intérêt à sauter par contre, d'accord. Cheval. Ok. Oh non, je voulais pas faire un saut. Ça pour rien trouver ici, bah j'ai bien le seum. M'a vu sauter ou pas? Ok, d'accord. Il s'en bat les couilles. Très bien, ça me va. Ok. Domaine de Sacre-Corne. J'y suis allé, oui. Donc j'ai déjà allumé deux feux. Et ce putain d'endroit là-bas, oui, que j'aimerais bien aller aussi. Faut que j'aille à ce... ici en fait, ouais. J'ai pas le choix. Pour trouver les autres trucs à allumer, je pense. Oh merde. Ouais, ça voilà. C'est ça que j'avais peur. Connard. C'est de ça que j'avais peur, putain. Ces ennemis de merde là qui t'attaquent à distance, qui te défoncent la gueule. Allez hop. Bon sang de merde. Ça va, je suis sur mes gardes, heureusement quoi. Parce que c'était sûr que j'allais me taper des ennemis comme ça qui font chier là. C'était sûr et certain même. Intérêt à faire gaffe, hein. Ça sera pas les derniers, je pense. Oh merde. Comme une nombreuse. Craquer un peu partout là, hein. Il a attaqué un truc, lui, j'ai pas compris. Une plante. Enfin, des plantes. Il y a plus de petites, il y a plus que la grosse. Allez hop, je me barre d'ici, voilà. On va attendre que ça dépop. Et on l'achèvera. Tout ça pour rien en plus, quoi, j'hallucine. Ah, l'attaque a subi quand même, hein. C'est vraiment une saloperie. Hein. Ok. Pas de mur invisible. Ah, j'ai vraiment fait ça pour rien. Je suis heureux. Je suis ravi. Le plaisir. Un connard qui joue du violon. Le muguet. Important. Il y en a partout, c'est ça le prix. Waouh! Mais dégage!
Putain, alors foiré quoi, mais casse-toi, laisse-moi tranquille. Non, c'est pas vrai quoi. Ah, je les déteste, c'est vraiment un cauchemar. Hein. Ah, mais gardez-moi cette distance quoi. Il m'a encore fait tomber, putain, c'est chiant à la fin. Je touche pas ses tentacules, c'est une blague. C'est soigné? Ça peut se soigner cette merde, vraiment? D'accord. J'en apprends tous les jours, hein, c'est génial. Allez, bouffe. Dégage. Ah, c'est un coach, hein. Ah, si je peux éviter de les affronter, je vais éviter. Ils sont chiants, hein. Putain. Allez, ça fait le troisième, là. Allumons-le. Et de 3. Je sais toujours pas ce que ça fait. Il y en a un autre là-bas, en tout cas, tout au fond. C'est vrai que j'allume des feux, c'est bien, mais ça sert à rien. Allez, je vais vite ramasser l'objet ici, je me casse. Ouais, je t'ai vu du con, hein. Pierre de Forge 3. Ça continue là-bas. La zone est immense, hein. Putain. Une échelle, on peut monter. J'avais pas tilté. Là, salut du con. Allez, bouffe. D'accord, ouais, bah si tu te jettes dans... Si tu me donnes ton cul, je vais pas dire non, hein. Allez hop, merci. J'ai rechargé mes fioles, ouais. Presque toutes. Tranche de viande, il y a un truc à allumer là-bas. Il y en a plein à allumer en fait. Il y en a un autre là-bas, oh, c'est... au secours, hein. Il y en a partout. Je sais pas combien il y en a en fait. C'est un délire. Ah oh, attendez, on pouvait descendre par là. Je viens de voir. Vu. Ouais. Vu. Il m'a vu, il me regarde d'en bas le con, regardez-moi ça quoi. Saloperie quoi. Objet. Je vais aller par là. C'est la cascade, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tiens, site de grâce, ce serait sympa. Ah, c'est pour revenir là où il y avait la plante. J'avais vu un objet en hauteur. Ouais, ça doit être ça. Marchand! Hey. Ouais ouais. Un client ouais, tu rêves pas. Hein, ils vendent ses clés lampières pas chères. Papillon naissant, matin au serveur fabriquer des objets, je sais pas ce que c'est. Pareil, tu vends des trucs assez chers aussi, chotel, une épée courbée. Une épée courbée, d'accord. Ouais, ça c'était important, il fallait que je les prenne. Hein. Oui, bah il me le faut le gars Manuel du Guerrier. Là, je vais dépenser quelques. Je vais dépenser un peu de runes. Allez.
Voilà. Du coup, est-ce que je peux fabriquer... Qu'est-ce que je peux fabriquer d'autre, du coup? Je peux fabriquer tellement de trucs, en fait. Peau albinorique, ouais. Pff. Oh là là, toutes les bombes différentes que j'ai. Peau magique, peau d'huile. Il y a moyen de s'amuser. Je peux même fabriquer des graisses. Ouais, j'avais pas vu. Des graisses incendiaires, ouais. Avec de la résine. Oh là là, mon dieu. La tablette, c'est quoi? D'accord. Faire des messages, ok. Du coton. Ça réduit les bruits de chute. D'accord, ça sert à ça le coton en fait. Excellent. Bon, très bien. Allez, toi t'avais juste des os de merde, d'accord. Tout simplement. Ok. Au moins c'est exploré. On retourne là-bas. Merde. Déconne pas ce truc là, hein. Je vais là où il y a les arbres, là, ouais. Du muguet. C'est important, faut le ramasser. Même si je joue pas magie, faut quand même le ramasser, quoi. Ah mais, ça c'est insane, hein, par contre, hein. Ça pop, tu peux rien faire. Tu l'as dans le cul. C'est n'importe quoi. Il apparaît de nulle part, il te rentre dedans, il te fait un RKO là et... Et il t'achève. Oh merde. Non, tue-le s'il te plaît, je t'en conjure, merci. D'accord. Toi, t'avais une putain d'arme différente, mon pote. On va vite factiver ce... Merde. Putain, connard. Non, il va me tuer. Mais putain! C'est pas vrai, ça. Mais... Et oh, 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 sans déconner, là. Oh, on va se calmer. Putain, je vous jure. Ah, il fait de la magie maintenant, lui. Ah, oh, mais... Il me casse les burnes, hein. C'est un délire, hein. Ah, qu'est-ce qu'ils me font chier, je vous jure. Allez, cassez-vous. Putain, c'était un délire, hein. Oh là là. Et chiant, quoi. Allez, y a un autre hôtel d'allumer. Toujours pas quoi ça sert, mais bon, apparemment c'est bien. Je t'ai vu, connard. Voilà, merci, tire dans l'arbre. Ça te fera les pieds. Ah bah lui, par contre, il m'avait... Ah là là, bah oui. Il y en a partout dans cette zone. D'accord. Ouais, je prends note, hein. Prends note. Et c'est chiant. Oh là 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 là, mais quel enfer. Cette zone de merde. Je savais pas que ça allait être aussi chiant, quoi. Là, les bois, là, c'est un putain de guet-apens géant, en fait, là. Il y a des... Il y en a partout, de ces enfoirés. Ouais, bien sûr, ouais. C'est vrai que déjà que la version normale, il cassait les couilles, mais alors la version fantôme, là, c'est... juste un cauchemar. Cassez-vous. Regardez-moi ces salopes planquées dans les buissons, là.
je vais la jouer comme eux, hein. Sinon ça va être compliqué. Je vais vraiment la jouer comme eux. Voilà, enfoiré, je t'ai vu. Je sais pas d'où il m'a eu. Je sais pas d'où il m'a eu. J'ai vu, c'est bon. J'ai vu où il était. Il me baisera pas la gueule, mec. Ouais. Espèce d'ordure, va. Hein. C'est toi qui m'as baisé la gueule, hein, tout à l'heure. Hein. On inverse les rôles, c'est moins marrant, hein. Je suis sûr que les connards qui sifflent, c'est eux, en fait. Ouais. Non, on va pas aller là-bas. Mauvaise idée, c'est bon, j'ai un mauvais souvenir. De toute façon, j'ai déjà exploré. Tu sors d'où, toi, exactement? Ok. Tout pour te faire chier, hein. Pierre de forge, ça c'est toujours cool. Pff, bon. On a fini ce guet-apens de merde. Trop vite, il y en a encore. Quand tu te dis qu'il y en a plus, qu'il y en a encore. D'accord, c'est où, connard? Il m'attaque d'où, là? Putain. Non, sérieux, c'est lui, là-bas? D'accord. Ah, lui avec tous ses potes, d'accord, ouais, ouais. Ok. Putain, il me voit, quoi, mais j'hallucine. Ah, t'as pas aimé, hein? Allez, dégage. Connard, va. Par contre, ils ont une portée, ouais, c'est un délire. Tu sais pas d'où ils te tirent, tu t'en prends vite plein le cul, en fait. Hein. C'est un délire. Hein. Mon Dieu. Alors, le point de téléportation, j'ai très peur d'où ça va m'amener, je vous le cache pas. Je sens que ça va être un délire. Ah, en fait, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé l'allumer, celui-là. Je suis là-bas aussi. En fait, je veux tous les allumer. Il y a un site de grâce en plus, là. Hein ! Allez, hein. Je vais quand même tester. Hein. On est là pour tester des trucs, hein. Un minimum. Et cette zone, ouais, putain, là, c'est un coach, hein. Bon, c'est pas Pierre Clément. Si je peux me consoler. Putain, d'accord, marchand abandonné. Ça m'a amené bah, à l'autre bout, en fait. D'accord. C'est nul. C'est nul à yesh. Ça m'a amené plutôt dans les hauteurs, quoi. D'accord, d'accord. Ça m'a amené vraiment en haut, quoi. Ok. En fait, ça va. C'est cool. Il me reste tellement à explorer en bas que, du coup... Au moins, on sait qu'il y a le téléporteur ici, quoi. Et ça, c'est cool.
D'accord, on peut descendre par ici, ok. Ça permet, j'ai l'impression, de faire tout le tour parce que là, on a vu qu'il y avait des putains d'archers, hein. Ouais, c'est des putains d'archers qui vont nous tirer dessus si on traverse la vallée ici. Faut faire le tour ici, je pense, ouais. Sinon, on va se faire éclater. Bien vu, bien vu. C'est bien d'avoir découvert ce téléporteur, on va pouvoir les maroufler. Oh là. Un gros ennemi là-bas, hein. C'est un boss, hein. Je vais en avoir besoin, ouais. Est-ce que je me le tente? Ah, c'est... Bah, le même boss que je me suis tapé, là, déjà. Hein. Truc de dragon, mes couilles, là. Soldat draconide, ouais. Putain, la vache. Me soigner, vite, voilà. Bah, il fait plus mal que l'autre, par contre. C'est un délire, c'est un délire, il fait trop mal. Il fait trop mal! Putain, non! Ah, oh, quel connard! Putain, j'hallucine. Ah, oh, il fait trop mal! Il fait trop mal! La vache! En un coup, je suis mort, quoi! Wouah! La vache! Il m'a tellement lavé, quoi! Il faut vraiment lui faire un max de dégâts dès le début, en fait. Hein, sinon, tu l'as dans le cul, quoi. Ok. Ouais. Peut-être rester sur mon cheval. Ça peut être sympa. Il a saigné. Merde. Ah. Non, ça va, je suis pas mort. Ok. C'est bon. À cheval, ça va mieux. Bon, ça va, il m'a pas trop... Il m'a pas trop fait galérer non plus, quoi. Albarde draconique, ok. Ça valait le coup. Je ne regrette rien. Non, j'ai toutes mes fioles, pas besoin de retaper le scarabée. C'est ok. Quelle zone, quelle zone! Alors... Bon, toi, j'ai juste affronté ça, récupérer son albarde, après c'est tout quoi, touche à ton cul, y'a plus rien d'autre. À part des petits objets à la con. Et ça, là. C'est pas un petit objet, ça. Sceau sacrifié de Marika. Très bien. Bon, là, ça veut dire qu'on revient, ouais. J'ai pas envie d'aller là-bas, moi. On va continuer à monter par là. C'est long à explorer, tout ça. Je vous jure. Pierre formique. D'accord, là, il y a des fourmis, du coup, dans le coin. Là, par contre, j'ai remarqué, c'est qu'on commence vraiment à retrouver des boss un peu doublons, quoi. C'est dommage. Lui, on s'est déjà tapé. Bon, même s'il était pas, il est pas passé en P2, mode vénère, comme le premier que je me suis tapé, ça reste impressionnant. Il faisait beaucoup de dégâts, par contre. Hein. Ils l'ont boosté aux hormones, celui-là. Il était sous coque, hein, vraiment. Parce que les dégâts qu'il faisait avec l'armure que j'ai, enfin, c'est... Il peut très bien vous OS si vous avez pas assez de vie, quoi. C'est terrible, hein.
Oh putain, vas-y, oh là là. Sans déconner, vraiment. On en est là, quoi. Non, il est pas mort, c'est pas vrai. Je l'ai eu, c'est bon. Grande sphère prophétique, d'accord. Ouais, je vais pas les affronter, ils sont chiants, hein. C'est bon, à un moment donné. Pierre de forge, ok, on a tout ce qu'il faut, et j'abandonne. Tac, je me casse. À un moment, c'est bon, quoi. Hein. Et encore là. Ah, oh, putain, ils sont costauds, en plus. C'est pas les mêmes, hein. Ah, ils sont plus forts que les autres. Très bien. Une dorée 7, ah ouais, d'accord. C'est pas du tout dans les mêmes endroits, hein. C'est un chemin, ça, ou je l'ai dans le huc, là? Non, c'est un chemin, ok. Esplate draconique. On peut pas descendre, hein. Non, bien sûr que non. J'essaye même pas de les tuer. Enfin, ils sont trop nombreux, quoi. C'est juste pas possible, hein. Je pense que c'est ce qu'ils veulent nous dire avec ces ennemis-là. De toute façon, ils sont trop nombreux, t'abandonnes, quoi. Putain, ils ont des points de vie, mon pote. Faut une masse plus 25, quoi. Terrible. Voilà. Je suis revenu là, ouais, ok. Bah, ça sert à rien que j'escalade, en fait. De toute façon, ça ne mènera à rien, strictement. J'ai déjà exploré là, je crois. Ouais, j'ai déjà exploré là. Ouais, faut que je rentre, en fait, là-bas. Hein. On va rentrer là, je pense. Ah non, c'est là où j'ai été. Oui, oui, c'est... D'accord. En fait, y a rien d'autre, quoi. J'ai plus qu'à redescendre. D'accord. J'ai plus qu'à redescendre et aller me faire foutre. Rien que c'est que pour descendre, bah c'est la merde. Parce que là, je suis trop... Hein. Je vais me faire mal, je vais me tuer même. Ouais, ils m'ont foutu en haut de la cascade, en fait. Ouais, si je veux retourner là-bas, faut que je me retéléporte, en fait. J'ai pas le choix. Après, j'ai encore tout ça à explorer, j'ai encore des feux allumés. Mais je retournerai ici, de toute façon, si jamais je veux aller par là, de l'autre côté, parce que, ouais, il y a des ennemis à arc, là, qui vont me casser les couilles. Ça va pas être faisable, quoi. Clairement pas. Et c'est con que je peux pas grimper en haut, là. Ça me semble bizarre. Ils m'ont amené ici, que je puisse pas grimper. C'est étrange. Je comprends pas l'arnaque. Ouais, après, tu vas en haut, tu peux encore explorer toute ta vie, hein. C'est... Bon, j'ai raté peut-être la porte en bas, j'en sais rien, écoutez. Je penche plus pour cette option. À mon avis, j'ai dû rater des trucs. Bon, allez, on va retourner là-bas. Au pire, chez où est le point de téléportation, c'est bon. Ça va bien se passer. Ok. Bon, je viens de voir l'heure. De toute façon, on va arrêter. Hein. Ça va faire bientôt une heure de vidéo, au secours. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Tout de même, cette zone qui est immense. Hein. On n'a pas fini d'explorer, croyez-moi. C'est chaud. Non, il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde, d'ailleurs, à méditer. Hein. Ça va... La zone est vraiment pas facile. Mais elle est cool, en tout cas. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification. Moi, je vous fais des bisous à la prochaine. Allez, des bisous. Ciao. Portez-vous bien, salutations.